Ce vidéo est dédié à la projection Voronoi sur une surface libre, ce qui nous permet de créer un résultat comme ceci dans l'image. Alors, ici dans Rhinocéros, on a une surface libre. On l'emporte dans Grasshopper. Puis on la gèle avec le verrouillé ici. C'est verrouillé, donc bloqué. Ensuite, il nous faudra un rectangle. Un rectangle de dimension unitaire. Ce rectangle va contenir une nuage de points populée 2D. C'est 100 points. Ici, dans un espace XY qui va de 0 à 1 et 0 à 1. Evaluate. Avec le Evaluate Surface Component, on projette les points dans l'espace de la surface. Toujours reparamétrise. Voilà. On a des points distribués dans l'espace de la surface. Pour un petit rappel de comment ça marche, ceci, on peut l'expliquer avec l'MD slider. Donc en fait, ceci est un espace qui va de 0 à 1 et 0 à 1. Alors, en insérant tous ces points-ci dans les composants, il faut imaginer qu'ici dans les carrés, alors qu'avoir un seul point, on a une multiplicité de points distribués dans notre rectangle, qui est un carré en fait, dans notre petit carré unitaire. Le résultat est ceci. Mais regardons qu'est-ce qu'on a. Un output, on a des points et c'est toujours des points avec des valeurs x, y, z. Par contre, nous on a besoin des valeurs uv. Pour les obtenir, il faut utiliser les closest surface closest point. On insère les points et la surface. Résultat, on aura les mêmes points, mais on aura aussi un système de coordonnées différentes, un système en coordonnées UV. Ensuite, il faudra créer un domaine qui contient les points, un domaine UV, donc un domaine de deux dimensions qui contient toutes les valeurs UV des points. Puis on décompose des constructs domain 2D. Pour séparer le U et V, donc deux domaines unidimensionnels. Et puis, un domain box pour construire un bounding box, parallélépipède limite, donc un domaine géométrique qui est nécessaire pour utiliser les Voronoi ici. Comme il demande un boundary. Et ceci, c'est notre
boundary. Ensuite, on utilisera le point UV dans le Voronoi. Pour obtenir les polygones Voronoi dans notre parallélépipède limite. Ensuite, on prend un control point component pour transformer chaque polygone dans une série de control points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant on a plusieurs branches, une branche par polygone, et dedans il y a une série de points. Points de contrôle pour générer des courbes. Pourquoi on a transformé les courbes en points de contrôle? Ben parce que maintenant on peut utiliser le même système qu'on a utilisé auparavant avec l'Evaluate Surface pour projeter les points en coordonnées UV dans la surface. Cache tous. Ok. Ces points sont distribués maintenant sur la surface, mais ils sont aussi organisés en branches. Si je les utilise dans le polyline, j'obtiendrai en ayant utilisé un polyline, il s'agit de lignes droites. Ça veut dire que les points sont dans l'espace de la surface et les lignes sont en connexion dans un point à l'autre. Donc si on veut les lignes projetées sur la géométrie courbe de la surface, il faudra utiliser le pool curve et insérer les curves et encore une fois la surface. Bien, dans ce cas-ci on a une série de courbes fermées qui respectent la courbure de la surface. À ce point-ci, on peut penser de faire un offset. Un offset on surface. De 1.2 cette courbe sur cette surface. C'est un calcul qui prend un peu de temps. Et voilà. Mais on remarque qu'il y a des petits défauts, donc ce sera mieux faire un bake des géométries de toutes les courbes et faire un petit editing dans Rhinoceros. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai déjà fait. Le résultat est ceci.
un ensemble de polygones fermés. On réimporte les courbes avec 7 multiple courbes. On prend tous. Voilà. Et on peut bien vérifier qu'il s'agit de courbes closed courbe, donc courbe fermée. Donc une fois qu'on a fait ça, on utilise le intersect surface split pour couper la surface avec nos courbes fermées. Ça aussi, c'est un calcul qui prend un peu de temps. Voilà. Maintenant, list item. On voit ici, on a des surfaces de 1 à 100, donc 101 surfaces, 0, 100 pour créer un slider. Et on voit tout de suite que la surface des bordures, c'est la 0. Et ensuite, call index pour éliminer cette surface de la liste. Alors ici, on a la surface des bordures et ici, on a toutes les autres surfaces, donc les polygones. Il s'agit cette fois de portions de surface. Donc on n'a pas des polygones plats, mais on a des polygones de forme libre qui respectent la forme de la surface. On pourrait faire une extrusion de ces polygones pour donner une épaisseur en respectant la normale du centre du polygone. Comment faire ça? On peut utiliser les composants area. Pour avoir les centres de chaque face. Voilà, on a le centre de chaque face. Et encore une fois, on utilise le Surface Closest Point pour obtenir des coordonnées dans l'espace UV de ces points, la surface. Voilà. Et ensuite, le evaluate surface pour obtenir le vecteur normal à la face dans les points sélectionnés. Donc on prend la surface, voilà, et un système d'axes. Donc un plan de référence, un système d'axes, et bien sûr la normale. Donc avec ceci, on peut par exemple faire un vecteur amplitude. En prenant la normale,
en choisissant 1,5 et décider de déplacer les points même de cette façon. On voit bien qu'on est toujours dans la normale. On bouge sous la direction de la normale. On pourrait aussi faire une ligne qui lie les points A à les points B, c'est-à-dire les points bougés. Voilà. Et pour l'instant, ça ne nous intéresse pas trop. Par contre, on utilisera ceci avec le extrude et on importera comme base d'extrusion les polygones, les portions coupées des surfaces polygonales. Voilà. Ça, c'est le résultat. Un peu trop, peut-être. On va dire 1, c'est suffisant. Mais, supposons qu'on voudrait obtenir une extrusion sur l'autre côté de la surface. Alors ici, on insère une expression qui est moins x pour inverser, voilà, inverser le sens d'extrusion, qui maintenant est négatif. On va maintenant s'occuper de l'autre surface, celle-là des bordures. Ça, on peut cacher. Encore une fois, extrude. Cette fois, on prend cette surface comme base. Et comme distance d'extrusion, on va faire juste une petite extrusion en direction Z de 0,2. Voilà. Ensuite, on va faire un bake de tout ça. Bake en demandant de grouper. OK. Et même chose pour ceci, bake. On obtient dans Rhinocéros la structure. La structure de solide, qu'il s'agit de solide, qu'on utilisera pour le rendering, pour le rendu, si vous préférez, pour générer cette image. Merci pour l'attention. Au prochain vidéo.